I was a child, I used to see night and day in front of my TV. Particulièrement quand je retourne au village, pour moi c'est important parce que c'est le village en fait d'origine de mes parents. Donc quand j'y retourne, c'est un peu comme si c'était un retour aux sources, la famille, la culture de la terre, la vie un peu plutôt rurale par rapport à ce qu'on vit ici, avec tout ce qui est entre guillemets très, très avancé technologiquement et tout ça. Là-bas, on est beaucoup plus dans le retour aux sources, donc ça permet aussi de plus méditer, je dirais, parfois. Ça permet de faire un retour sur soi-même, parce qu'ici, on vit un peu à 100 à l'heure, je dirais, en France. Donc là-bas, on a plus tendance à avoir la valeur des choses, rester dans les traditions, partager avec les autres. C'est assez proche et lointaine en même temps, parce que bon, proche parce que j'ai quand même de la famille là-bas. Mes parents sont retournés à la retraite de mon père il y a quelques années, donc j'ai quand même un lien très fort. J'ai encore des cousins, des oncles, des tantes qui sont toujours là-bas. Et je parle aussi un dialecte de chez moi, donc ce qui me permet quand même d'avoir une connexion avec ma famille quand je me rends pour rendre visite. La musique, c'est déjà depuis toute petite. J'ai toujours aimé chanter. D'après les témoignages de ma famille, je chantais même devant la télé tout le temps. Donc dès qu'il y avait un peu de musique, je reprenais les chansons en chœur. Mais je suis venue vraiment à la musique quand j'ai commencé à côtoyer une chorale de gospel qui m'a permis de commencer à chanter, perfectionner ma voix. Et à la suite de ça, j'ai intégré d'autres formations de gospel et autres styles musicaux. Et un jour, j'ai décidé quand même de me rapprocher plus de mes origines. Et c'est pour cela que j'ai fait mon album avec des rythmes quand même qui rappellent un peu mon pays d'origine, l'Afrique. Et également mes influences, parce que je suis quand même très influencée par tout ce qui est anglo-saxon. Donc j'ai fait un petit mélange de tout ça dans mon album. Well, I was singing, but my parents said... Mon futur d'artiste, c'est continuer à faire des scènes, prévoir aussi, comme ça fait quand même ça fait 3 ans que l'album est sorti, un peu plus même, donc je me prépare surtout à pouvoir me lancer sur un autre projet. Je ne sais pas si je ferai exactement dans les mêmes influences musicales, mais j'ai déjà une idée, donc je suis en train de me pencher dessus. Faire beaucoup de scènes, toujours, j'en fais toujours parce que je fais aussi d'autres styles musicaux en parallèle de mon projet. Pour ce qui est du continent, l'avenir du continent, ça c'est un peu difficile comme question parce que on garde toujours l'espoir pour l'Afrique, elle avance, mais il y a toujours malheureusement des choses qui se mettent en travers du chemin pour empêcher l'Afrique d'avancer. Je pense que c'est nous-mêmes qui devons aussi... mettre aussi nos connaissances, les gens qui ont pu partir du pays, qu'on fait des études, qu'on fait d'autres choses, essayer de faire avancer le pays dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que parfois, comme c'est instable, les gens n'osent pas forcément revenir s'installer dans le pays d'origine. Donc, ils préfèrent partir dans d'autres pays. Surtout que nous, on est la Guinée-Bissau, on est quand même une ancienne colonie du Portugal. Donc, il y a beaucoup de Guinéens qui partent au Portugal, qui partent au Sénégal, qui partent en France. Donc on est un peu éparpillés et je pense que si on voulait faire avancer notre pays, ce serait plutôt d'essayer de revenir un peu aux sources, apporter nos connaissances, ce qu'on a pu apprendre en Occident. Mais ça, c'est pas une démarche facile, je dirais. Et surtout, mon souvenir marquant, dont j'en parle souvent, c'est Tarzan. Ça, c'est Tarzan à la télé. Dès que ça passait à la télé, j'avais le droit à tous les problèmes possibles le lendemain à l'école parce qu'on me demandait si je parlais la langue des primitifs dans Tarzan, si nous on vivait pareil, si on avait des maisons en ciment en Afrique, parce qu'ils pensaient que toutes les maisons étaient en paille, s'il y avait des avions, enfin c'était des questions très très bêtes, mais en même temps, je pense que c'est un peu des questions d'enfants qui n'étaient peut-être pas cultivés par rapport aux parents, qui leur disaient pas forcément comment ça se passait en Afrique, je pense qu'ils devaient pas savoir non plus, quelque part. Donc nous, on devait gérer ça au quotidien. Donc j'ai grandi avec ça. Et puis même quand j'ai cherché du travail aussi, j'ai eu parfois des petits soucis. Mais bon, je positive toujours en me disant que de toute façon,
Et c'est des gens qui sont assez bêtes pour vous juger sur votre couleur de peau. Il y en a d'autres qui seront assez intelligents pour ne pas vous juger. Et c'est ce qui est arrivé. While I was singing, but my parents said...